YouTube, dans le chat, dites bonjour à YouTube, dites bonjour à YouTube. On est là pour le 8e épisode de Too Hot to Handle. Tout ce que vous devez savoir là, c'est que il y a une personne là en qui on n'a pas confiance. C'est Creed. Creed, il s'est chopé une troisième meuf là sous le coude. Il a une troisième meuf sous le coude et il s'est pas encore fait choper. Lui, il a trop de chat. Il a trop de chance. Mais à un moment donné, mon gars, va falloir que tu rendes des comptes. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour le 8e épisode? J'ai choisi Kayla pour le rendez-vous, mais quand j'ai vu Jawa, j'ai su que je m'étais planté. Nick a eu tout son temps pour apprendre à la connaître. C'est mon tour. Mon rendez-vous avec Imogen était phénoménal. Mais je suis très heureux avec Flavia. Je me demandais, tes seins, c'est vrai? Mais c'est une dinguerie comment Ethan, il a aucune conversation. Ce mec, c'est du vide. C'est juste un corps. Il a trop la dalle. Il a rien compris à l'émission. La classe britannique dans toute sa splendeur. T'es super belle. Tu fais du sport ou t'es née comme ça? Je fais du sport. Je cours beaucoup. T'as un truc avec Nick? Ouais, il y a un truc. Un truc? Ouais, un truc. Mais t'attises aussi ma curiosité. Très bien. Oh, ça commence! Oh! Un qui perd pas son temps. J'adore. Oh, c'est quoi mon problème? C'est le moment ou jamais. Je dois lui dire ce que je ressens. Oh non! Pourquoi on t'appelle Big Sean? À toi de découvrir. Putain. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Non! Je suis hyper déçu. Yeah, it's for you, Nick. See you again. Si Creed m'envoyait pas de signaux, je le tenterais pas. Mais je veux savoir ce qui se passe vraiment. Je voulais voir comment vous étiez ensemble. Ok. Et il y a eu des moments où je t'ai vu me regarder. Quoi? Ce mec, il est malhonnête. Je vous l'ai dit, il va changer de bord. On peut comprendre que tu as envie d'aller faire 1000 meufs en même temps et tout. Il n'y a pas de galère, t'as vu? Mais il faut que tu sois honnête. Tu es malhonnête. J'essaye de voir si c'est plutôt de l'amitié. Mais il y a une tension voilà. Sexuelle. Voilà. Voilà, il reprend les mêmes arguments. J'essaie de voir si c'est de l'amitié ou de l'amour et blablabla. Bla bla. Non, t'es juste en rut, mon pote. Je le tente ou que j'arrête? Je pense pas que tu devrais arrêter. Ça veut dire oui? Ouais, c'est un oui. Lana vous a organisé une soirée sur le thème du fruit défendu pour accueillir les nouveaux candidats. Lana organise des soirées juste pour pouvoir les gâcher. Ce matin, je vous ai rappelé l'importance de vous impliquer dans le processus. Malheureusement, certains d'entre vous n'y parviennent toujours pas. Il est grand temps de voir partir un des participants, ou peut-être deux. Cette petite fête va donc servir de soirée d'adieu. Oh non. Je vous l'avais dit. C'est abusé. Ethan Dior. Lana, c'est la pire hôtesse de la Terre. Le candidat qui doit quitter la maison est Ethan. Ethan, tu as décidé de ne t'intéresser exclusivement qu'à des désirs physiques. Sophie est sublime, elle a un corps magnifique. Je te trouve hyper belle. Ton boule, tes seins, t'es parfaite. Lana est super, j'ai appris beaucoup de choses. Ça doit être ça. Enfin du progrès, Ethan. Mais dès que je sors, je vais aller niquer. La deuxième et dernière personne à nous quitter est Sophie. Tu as ouvert ton cœur à Creed, mais il t'a rejeté. Mais tu as ensuite refusé de t'ouvrir à d'autres opportunités. J'en ai assez. J'ai plus aucune envie d'être là. Je devrais être honnête avec Nick et lui parler de Sean. C'est sûrement la leçon que Lana voulait m'enseigner. Il m'a fait un massage tout à l'heure. Ouais, il est au courant. Je sais. Oh non. Pourquoi elle pleure? Moi, ouais, c'est ça, c'est ces gens-là qui m'agacent. Sur le moment, vous kiffez vos races, et puis après, quand il faut s'expliquer, tu pleures. Mais une part de moi est terrifiée à l'idée de me donner comme ça à quelqu'un d'autre. Donc, elle va aller se donner à un autre homme. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Carrément, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué d'avoir raison comme ça, parce que ces gens-là, on les connaît. J'ai toujours très peur de m'ouvrir. J'ai été adoptée.
Et à cause de ça, j'ai l'impression que je mérite pas d'être aimé. Les gars, quand je vous parle, il faut m'écouter. Ça devrait nous servir d'électrochoc. On devrait profiter à fond du temps qui nous reste. Ah, le chat, vous êtes mauvais! Vous savez, vous me connaissez maintenant! Vous saviez très bien! J'aime beaucoup Creed, mais au fond de moi, je sais qu'il a quitté Sophie pour moi. Mais pour quelle raison elle aime Creed? J'ai une vraie question. Parce qu'ils n'ont rien partagé de fort, eux deux. C'est que ce qui se passe entre nous, c'est parfait. Il est culotté! Je sais avec Imogen essayer de me piquer. Je t'ai dit ça! Ça, c'est la malveillance! Ça, c'est Orochimaru! Mais wesh! La malveillance max! T'as un sourire éclatant. C'est un truc de fou. Merci. J'adore quand tu me fais des compliments. Je te caresse la jambe pour la deuxième fois. Encore? J'ai bien fait attention à l'écouter et à la toucher pendant qu'on parlait. J'ai pas eu la même vie que les autres garçons ici. T'as pas encore eu l'occasion de découvrir. Mon père est parti quand j'étais petit et j'ai été adopté. Oh, il est trop technique. Il est trop technique. Oh, baby! Sean! C'est très bien qu'il est arrivé en retard dans cette émission et qu'il a du retard à rattraper. Donc en même pas deux épisodes, il vient et il se livre. Complet. Ça joue la carte de mon père, ma mère, quand j'étais petit. When I was young, I used to. Back in the days. Si aujourd'hui là, Jawa, elle va pas dormir avec Sean, je m'appelle plus Lonnie Von Rebellion, le roi du royaume. C'est un truc de fou parce que moi aussi j'ai été adoptée. Oh wow. Ouais. On dirait bien que Jawa va devoir faire un choix corniclien. Pour être honnête, je pense que j'ai envie de voir ce qu'il peut se passer avec Creed. Je le savais. C'est pas nouveau. Imogen est encore sur Creed. Je veux pas gâcher ce moment. Mais je pense qu'il devrait être plus honnête avec Flavia. Parce que quand il me parle, il se passe vraiment quelque chose. Je suis très surprise parce que j'en ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il n'y avait rien de plus que de l'amitié. J'en ai aussi parlé avec lui. On dirait bien que vous avez chacune votre version et que Creed vous a raconté celle qui l'arrangeait. Imogen et Flavia ont parlé. Je suis foutu. On parie combien qu'il va réussir à s'en sortir? Il l'a dans la poche. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu sais pas qui tu veux. Entre elle et moi. Elle a dit qu'elle avait senti une connexion. Si t'as un truc avec elle, je veux que tu m'oublies. Je veux surtout pas me planter. Est-ce que j'ai des raisons de m'en faire? Non, pas que je sache. J'ai envie de m'arracher les cheveux! Si je te disais que je te vois comme une amie, qu'est-ce que tu comprendrais? Que t'es pas intéressé. Exactement. C'est une dinguerie. À qui est-ce que je fais des câlins? Et devant qui? À moi. Voilà. Eh ben, on dirait que... Je vous ai dit... Pour manipulation, pour autodestruction, pour salopard. Après ma conversation avec Creed, j'y vois plus clair. C'est juste un bon ami, et elle a pas bien compris ce qu'il voulait. Mais il va devoir être plus franc avec Imogen. Tu dois parler avec Imogen et lui dire que t'es avec moi. D'accord. Point final. Ok, t'as raison, je peux le faire. C'est facile. Pendant l'atelier, je me suis rendu compte que je devais me décider tout de suite. Et ça me fait super peur. T'essaies d'être la plus stylée de la maison? Même sans bijoux, on voit que toi. Mais Sean joue les grands séducteurs, là. Nick, il va rien faire. Hein. Allez, il va faire sa séance de namasté, là. Tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir à la récupérer, mec? Putain, fais chier! Il fait encore de la méditation? Ou
Oui, il essaye d'exorciser les démons coquins de Jawa. Je peux te dire qu'il y a quelque chose. Oh. Ça ne fait aucun doute. C'est le moment. Ouais. Coucou. Bonsoir. Je dois lui dire que j'ai quelqu'un. Bon, c'est vraiment claqué comme situation. Et je vais passer pour un pauvre type. Mais je dois être honnête, c'est la meilleure chose à faire. Je peux pas jouer sur deux tableaux. Et ce que je vis avec toi mérite pas de s'arrêter. Mais... Pardon ? Je veux le tenter. Eh merde. C'est vraiment trop dur de faire les choses. Il a si peu de couilles. Mais il nous a tous feintés. Je pensais pas qu'il aurait le courage d'être honnête avec Flavia. Alors justement, Imogen... Tu vas dormir dans mon lit ? Je peux pas me jeter dans ton lit. Il est trop technique et ça va passer tellement crème. Les gars, retenez bien ce moment. Lana va s'en mêler. Il va dégager. Je suis désolé de te mettre dans cette situation. Tu fais battre mon cœur plus vite. Il battait déjà avant, sinon je serais mort. Mais tout ça là, franchement, c'est trop intéressant de voir tout ça. Parce que moi... En fait, le truc, c'est que dans ma vie, j'ai jamais eu l'occasion de draguer une meuf, tu vois. Et je me dis, en fait, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans leur situation ? Et je me dis, putain, il y a vraiment des chances que je perde mes moyens. Parce que vraiment, tu vois, moi, agir comme ça, je peux pas. Il faut vraiment avoir une confiance en toi, mais tellement surdimensionnée pour agir de la sorte. Sean est plus intéressant qu'il le montre aux autres. Je suis déconcertée. C'est vrai que Sean, il a l'air intéressant. J'aimerais vraiment qu'on dorme ensemble ce soir. Elle va changer de vie. Elle va changer de vie. Pour voir ce que ça donne. Et ben encore. Oh là là. Les gars, bon, petit débrief avant de continuer. Épisode incroyable. Maintenant, on passe à... pas de débrief, ça y est, genre, on passe à autre chose.